Appelle tant qui commission le revenu ici peut faire son bon client servir un seul numéro appelé Taxpayer Identification Number ou soit TIN pour identifier sa business. Ça inclut un client qui en a pour faire avec l'importation, l'exportation, l'agence qui fait quelque chose passe à travers procédure la douane parmi les autres encore. Tout business, les autres enregistrés, les autres gagnent sa numéro TIN, mais jusqu'à présent, commission le revenu qui peut demander qui business y présente sa numéro. La présent, la douane aussi peut exiger qu'à partir du 16 janvier, tous les clients, les autres viennent avec ce document pour faire signe qu'ils sont dans sa numéro TIN. Comme ça, la douane, ensemble avec la commission de revenu, est capable de servir le même système qui appelle Asikuda pour faire entrer l'information et gagner accès avec l'information camarade. Sa numéro que nous pouvons entrer avec, il y a une existence pour un peu l'étant, seulement domestic tax seulement qui ça peut servir. Pour présent, nous permet de dans customs aussi tout, un moyen qui ça des business tax ou domestic tax et qui a link ensemble avec customs et fait cette réconciliation de bonnes returns qui bonnes businesses y fait. Et from there on, nous ne pouvons accepter aucun autre number, l'autre numéro qui est avant business identification number. From any importer. Nous avons besoin de service ça, TIN number, pour passer un bill of entry avec customs. M. Nolson aussi dit qu'il n'importe individu qui peut importer quelque chose pour son plaisir personnel, vu qu'il n'est pas commercial, il n'a pas besoin de son numéro TIN, il peut plutôt besoin de son numéro d'identité.